ambitious girl. You're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo, voilà, c'est rapide évidemment, hein, c'est pas la chaîne de GTA, vous en doutez, mais comme c'est des jeux auxquels on a souvent joué, eh bien, je voulais vous faire part de du retour en fait de la série des GTA, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Petite vidéo rapide pour vous montrer par exemple ce que ça donne sur GTA 3. Au niveau graphique, au niveau du jeu. Alors vous allez voir, il y a quelques petites améliorations. Bon, évidemment, la plus criante, c'est celle des graphismes, hein, que vous pouvez voir ici. Le visage a quand même été pas mal refait. Les effets ont été revus. Les graphismes sont au maximum. Je l'ai mis au maximum, hein, donc vraiment, on peut pas vraiment en plus haut. Donc je vais prendre la voiture pour montrer la première mission. Évidemment, vous connaissez, je pense, ce jeu suffisamment. Hein, je vais pas vous l'expliquer. Et on va en profiter pour éteindre la radio. Par contre, ça c'est toujours un truc à faire sur les GTA, malheureusement. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, les graphismes qui ont été vraiment revus à la hausse. Alors évidemment, je suis en train d'enregistrer, donc potentiellement, ça va être un peu, peut-être un peu laggy légèrement, mais le jeu est super fluide en vrai, franchement. Donc là, on va passer par là, hein, ce petit passage, voilà, un petit raccourci. Alors, petite nouveauté, vous allez voir directement, hein, hormis les graphismes, on a le GPS qui nous indique par où aller. Donc ça, c'était pas mal, hein, c'était pas mal d'avoir ça dans les GTA. Parce que dans le tout premier GTA 3, c'était pas le cas, alors que là on peut le faire. Et là, je me rends directement dans ma première maison, hein, la petite piole pourrie. Et vous allez voir que, voilà, le jeu après n'a pas tellement forcément bougé, hein, c'est la même chose. Mais ils ont refait beaucoup de choses, beaucoup de buildings, beaucoup d'intérieurs, énormément d'effets. Et je pense que autant sur San Andreas ça va moins se revoir parce qu'il y a eu pas mal de modes, par exemple les modes San Andreas, DX, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on sait déjà ce que ça pouvait donner San Andreas. Par contre GTA 3 au niveau amélioration graphique c'était très compliqué parce que c'était un vieux jeu et au niveau diétique c'était quand même assez vieux. Là on a vraiment quelque chose qui est beaucoup mieux fait. Vous pouvez le voir quand même au niveau des éclairages quand même, c'est vraiment joli. Ça fait un petit peu cartoonesque mine de rien parce que les modèles 3D sont à peine retouchés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout modifié quand même. On peut voir qu'il y a un petit peu d'herbe voilà, sur le bord de route. Alors est-ce qu'un projet on va dire amateur aurait pu faire encore mieux? Peut-être.
Effectivement, on a vu des modes par exemple pour GTA Sandra qui est encore plus beau, bon, bref. Mais je trouve que l'avantage de cette patte graphique, c'est que ce jeu perd pas son charme. En tout cas, pour GTA 3, ça passe bien. Donc là, on va faire la petite première mission, la fille de Luigi. Et en vrai, c'est pour moi, je trouve ça plutôt réussi. Alors, je dis pas que le jeu va être exemple de bugs ou ce genre de choses, hein. Je découvre quasiment en même temps que vous, hein. Je suis à peut-être 10 minutes après avoir lancé le jeu la première fois. Donc on va parler à Luigi, je vous montre un petit peu les personnages, voilà, qui ont évidemment été refaits, enfin un petit peu améliorés, hein, beaucoup plus de polygones, remis au goût du jour, même si ça garde un côté un petit peu vieille console, ouais, au niveau des... on dirait limite un jeu Android de l'époque, ou même... Alors de souvenir, dans le 3, il ne parle pas, le héros ne parle pas. Alors que dans le... Je crois que ça va être Vice City, il commence à parler. Donc on va prendre un véhicule, bon je veux prendre ça là aussi. On va voir au niveau des vues. Alors c'est F hein, pour... Je crois que c'est C pour la caméra. Non, c'est V, voilà. Donc on a une vue toujours ras du sol, hein, ça change pas grand chose. Une vue un petit peu plus proche, voilà. Une vue encore plus éloignée. Et on a encore normalement une caméra encore plus loin. Je vais vous montrer un petit peu les options du jeu. Donc on a la carte aussi, ça c'est pas mal, hein, avec le petit point, les trucs sur lesquels il faut accéder. J'en profite pour sortir de Discord parce que ça... C'est les sons un peu dérangeants. Donc on peut passer un repère aussi. Comme dans le GTA San Andreas, hein, on pouvait mettre un point, etc. Afficher les gens avec tab. On peut voir les gangs aussi. Là, on peut voir l'échec, position des gangs. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, peut-être qu'il y a quelques améliorations, hein, mais je les connais pas encore pour le moment. On va faire échappe. C'est le bruit du San Andreas, d'ailleurs, au niveau des menus. En tout cas, pour ce GTA 3. Au niveau, donc, briefing, stat, option. Dans les options, je vous montre un petit peu les options quand même. Alors, gameplay, j'ai pas joué à la manette. Hein, je joue au clavier, je précise. On peut avoir une pause en cas de changement de fenêtre. Donc là, par exemple, je vais mettre 100. Hauteur de la caméra, on peut la mettre haute, basse ou basse. Voilà, on n'a que deux choix. Les graphiques, je vous montre quand même. Bon, évidemment, la fenêtre, c'est un peu réduit. Mais voilà, synchronisation, on est en haut, fenêtré, TA+, filtrage, on peut mettre même en 16x si vous voulez, mais là, vu qu'on est en petite résolution, ça va. Distance d'affichage éloignée, on peut mettre en ultra, par exemple. Qualité des textures, on va mettre ultra, tant qu'à faire. Qualité des reflets, je pensais que j'étais au maximum, mais en fait, pas tellement. On peut activer le DLSS, ça permettra de gagner un peu de FPS. La qualité, on l'a mis en maximum, flou lumineux. On peut même avoir le profondeur de champ et le flou de mouvement. Quantité d'éclairage, etc. Donc on va faire reprendre. Voilà, donc là je suis aux qualités quasiment maximum. Je peux bouger avec la souris. On va aller chercher Misty. Et je vais faire radio éteinte à chaque fois, hein. Je suis désolé, merci YouTube, mais c'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Misty, bonjour. Je sens qu'on va avoir de bonnes aventures ensemble. On va simplement aller faire un peu la mission, hein. On va avancer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu d'autres parties de la ville. Voir un petit peu les changements par rapport au jeu d'origine. Alors si des choses ont été changées, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été un peu censurées. On se souvient déjà que dans le 3 il y a eu des changements par rapport à la bêta. Enfin la version finale, première version, la 1.0 je sais pas combien, et les versions qui sont sorties un petit peu après. Genre la version européenne je crois que était moins censurée que la version japonaise par exemple. Donc là voilà, donc là on a fait notre mission, donc on peut se balader, hein. Je suis pas forcément obligé d'aller au point L. Je vais un petit peu me balader dans la ville, histoire de vous montrer un peu les changements. On va aller notamment par exemple voir, là on va aller pas loin du port il me semble. Ouais ici. Alors ce qui serait intéressant c'est de voir si le jeu peut toujours bugger. Je pense que non, parce que par exemple il y a une partie vers là-bas là. Semble où on peut utiliser une bagnole pour se retrouver sous la map et passer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de véhicules aussi à l'écran. C'est un peu plus vivant au niveau de la ville. Pas mal de piétons. On va aller prendre la Banshee, tiens, qui était planquée ici à l'époque. Voilà, on va faire sortir de la voiture. Ouais, donc les effets de lumière, voilà. Bon, évidemment, les effets de lumière sont jolis. Il y a quelques effets de bump mapping. Donc, les bump mapping, c'est quoi? C'est pour donner l'impression que par exemple, il y a. Alors, je vais faire radio éteinte. Il y a par exemple quelque chose en 3 dimensions sur les textures, alors qu'en fait ça reste une texture de 2 et ça simule en fait le côté un peu 3D.
Alors, je crois qu'il n'y a pas un effet de chaleur là? Non, c'était un effet de. Ah oui, regardez la texture, elle est un peu par-dessus, elle est pas super bien calée par contre, c'est dommage. On va aller vers là. Là, il y a la maison, je crois que c'est de Salvatore. En tout cas, pas forcément dans le 3, je sais plus, mais en tout cas dans le Liberty City, c'est ça. On va aller la voir un petit peu. Avec les fameuses voitures de la mafia. On va rentrer dans un milieu fermé. Je vous montre la distance d'affichage quand même, hein, au passage. Alors là, je peux me déplacer comme ça change rien. Oui, on peut voir là. Alors, ce qui est marrant, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que vous voyez la distance d'affichage, bon, elle est pas ouf, hein, autant se le dire. Par contre, regardez au fond, ils se sont amusés à mettre. Alors que normalement, dans le vrai, il y a une île au fond, on peut jamais y accéder. Hein. Il semble qu'on peut jamais y accéder. Ils se sont amusés à mettre. Ouais, je sais pas, on dirait des tentes au loin, des maisons un peu bizarres. Un peu pour créer l'illusion qu'on peut aller jusqu'au bout, mais en fait, on peut pas aller jusqu'au bout. Je sais pas si on peut nager, par exemple, ça serait une bonne question. On va faire le test. Par contre, on peut pas que je me jette de la falaise maintenant, non? C'est un peu con. Vous je suis trop haut là, je pense que je vais mourir. Bon, c'est pas grave, on va tester. Ouais, 93. Les petits effets là, sympa, les textures ont été refaites. Par contre, on voit les gros découpages toujours du décor. Hein. Y a pas beaucoup de changements par rapport à avant. Il me semble qu'il y avait une voiture qui était par là. Alors, je vais essayer d'aller dans l'eau. Si ça se trouve, ça ne marchera pas. On va quand même tenter. Mais comme il y a eu quelques améliorations au niveau par exemple du. Au niveau de la caméra. Ah oui, je perds la vie, je perds de la vie. Et je meurs instantanément. Ok, d'accord. Donc en fait, je peux toujours pas nager dans celui-là. Ça n'a pas changé. Et le petit. Petite part de sang. On va revenir à l'hôtel. Donc c'est pas grave. À l'hôtel, à l'hôpital. Et il nous explique toujours. Comme dans les originaux. Pas trop de changements à ce niveau-là. Quand. T'es mort entre guillemets, tu conduis à l'hôpital le plus proche. Et d'ailleurs, on va peut-être en profiter pour. Je crois qu'il va écraser quelqu'un. Je crois qu'il va repartir. Il va buter quelqu'un, non? Non. Ou alors, je crois que c'est peut-être dans Vice City. Je crois qu'on nous montre le même hôpital. Enfin, même style, un hôpital. Et quand il ressort, il écrase quelqu'un juste après. Enfin, c'est une petite dose humoristique du jeu. Alors, on n'a pas l'école évidemment hein, qu'on pouvait avoir dans la version bêta du jeu et qu'on n'est pas dans la version finale d'ailleurs. Je cherche un peu de vue. J'ai pas trouvé du gameplay différent dans le sens où voilà, je peux sauter toujours un petit peu de manière un peu bizarre. Par contre, c'est marrant, il est roux. Il est un peu roux. Enfin, je trouve que ça fait un peu roux au niveau des cheveux. Mais c'est pas possible, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, quoi. Je peux pas prendre la voiture. Ok, tant pis. Ouais, donc je vais passer par là. Donc là, on est de nuit. Vous pouvez voir quand même que c'est. Bah, c'est assez propre en fait, c'est vraiment un mix entre la 3D des vieux jeux, d'un vieux jeu et les effets de lumière en fait d'un jeu ultra récent. Je vais toujours pas rentrer, si je vais quand même le sortir. Bah, c'est quand même pas mal. Alors ils auraient peut-être pu en profiter pour mettre un. Pourquoi pas une vue intérieure? Ça aurait été marrant d'avoir une vue embarquée sur le cockpit. Un cockpit de la voiture. On va aller vers le port. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Il y a un petit saut à faire d'ailleurs, il me semble là. Alors, c'est pas que cette voiture, je vais faire un saut très très rapide. Mais bon, voilà, c'est pour voir s'il y a toujours les petits bonus. Un petit tour. On va faire une petite mission ou deux, histoire d'eux entre-temps quand même. Histoire de vous montrer. Bon, je pense que vous connaissez tous GTA 3, mais ce qui va être bien, c'est que ça va permettre à, on va dire, les générations qui n'ont pas connu ça, les premiers GTA quand ils étaient jeunes, bah de pouvoir y rejouer peut-être et d'avoir un peu plus de plaisir maintenant par rapport aux graphismes qui sont plus d'actualité. Cascade de taré, ça s'est pas super bien passé, je suis sorti de la voiture vite, non? C'est bon. Vite. Je pense qu'elle a cramé. Ouais, bah du coup c'est pas bon. On va voir les explosions, que ça donne. Ah oui, c'était plutôt joli. Et je crois que le camion il va péter aussi. Non, regardez, il y a des gens qui. Qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas ce qu'ils font, c'est pas grave. Les sous-gens étaient plutôt pas mal. On va prendre un bus, tiens. Et on va aller faire la mission en bus. Non, voilà, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient respecté quand même les graphismes originels du jeu, d'une certaine manière. Et appliqué un petit peu des filtres next-gen, c'est quand même sympa. Bon, après, vous voyez quand même, leur réflexion est pas super. Super forte quoi. Alors je vais bah, malheureusement enlever la radio toujours. Hein. Il n'y a que double clé FM à la limite qui pourrait passer. Parce que c'est de la musique classique. La tata, la tata, la tana, la. Et on va aller faire une petite mission, voilà, un peu ce que ça donne.
Ouais, quand même, c'est quand même plutôt joli. Ouf, comme je l'ai envoyé. Oh la vache! Comme je l'ai envoyé, ça jetait quoi? On va aller dans la munition, tiens. On va aller là. On va voir un petit peu la munition, comment ça a été refait. Alors évidemment, ça met 2 heures pour en sortir. C'est logique, c'est un bus. Déjà à l'époque, ils avaient eu le souci de détail à ce niveau-là. Je peux rentrer, s'il te plaît? Merci. Stock épuisé, stock épuisé. Ouais, donc je peux rien prendre. Alors il me semblait que normalement on peut sectionner les armes droite-gauche et là en fait on va aller dessus. Simplement, on va se positionner dessus pour en prendre un. Bon. On va sortir. Donc effet toujours sympa, je peux sprinter toujours. On va prendre celui-là, tiens. En général, la toute sécurité c'est pas mal pour certaines missions parce que c'est assez blindé. On a un rétroviseur d'ailleurs qui fonctionne. Je vais juste. Voilà, enlever la radio à nouveau, décidément. Et on va aller voir. Luigi, enfin, une petite mission. Alors j'aimerais vous montrer l'autre île évidemment, mais bon, pour le moment c'est pas trop pas trop possible. Le halo lumineux autour est plutôt pas mal. Pas de spank pour l'APP, alors évidemment c'est des missions ultra connues, hein, mais... Bon, on va passer évidemment les introductions. Je rappelle que j'ai... Voilà, petite botte de baseball, ça va être utile, on va pouvoir se fighter un peu, on va... Et vous allez voir que ça va pas tant me servir que ça. Parce que je vais, comment dire, faire moi-même... utiliser moi-même ma manière de faire pour mener à bien ma mission. Et je pense que j'aurai même pas besoin d'utiliser une seule arme. On va profiter de passer par là. Attention aux flics. Voilà, petite... toujours pareil, hein. On touche un petit peu la voiture de flic, on se retrouve avec une étoile. Voilà, on va aller chercher. On va aller chercher. Non, même pas le chercher, vous allez voir. Notre protagoniste. Allez. On va lui infliger une petite correction. Alors, en tout cas, c'est très plaisant. Alors, est-ce que ça vaut 60 euros? Alors, évidemment, je parle de 60 euros, mais il y a les 3 jeux. Hein. Il y a San Andreas, Vice City aussi avec. Est-ce que ça vaut le coup, 60 euros? Peut-être pas. Un petit 30 euros pour moi, c'était ok. Regardez, je vais pas emmerder. Et voilà. On l'a écrasé. Vite, 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 avant qu'ils y aillent. Allez, on sort, on sort, on sort, on sort. Voilà, et alors on y va, tranquille. On va aller repeindre la voiture, je crois. Je vais encore enlever la radio. Ah, par contre, il n'y a pas la vue du dessus. Faut savoir que dans la version, version console, je crois même PC, il me semble. Normalement, en fait, ils avaient repris un peu le principe de GTA 2, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir la vue, vue du haut, simplement. Et là, elle n'y est pas. Dans le choix des caméras, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Aïe, tout cassé. Bon, de toute façon, je vais la faire repeindre, donc c'est pas trop... C'est après, il faudra faire gaffe. Voilà, reprendre la voiture. Donc là, il explique que c'est gratuit pour la première fois, comme d'habitude. Ouais, les effets de lumière quand même. Ouais, la brume là en sortie, c'est. Ah, c'est cool. Le problème, c'est que voilà, j'ai cassé un petit peu la voiture en sortant, ça arrive toujours à chaque fois ça. Et du coup, bah, si je la casse trop, il va falloir que je recommence et que je repaye à nouveau. Attends, les bouches d'égout qui. Les bouches d'égout qui fuminent un peu. Et on va aller planquer la voiture. Alors évidemment, je peux changer la caméra avec la souris, hein, ça change pas. Voilà, et on va aller la planquer ici. Ah non, carrément le repère, pas s'embêter. Et voilà. On va aller la poser là. Chaque fois j'appuie sur E, alors il faut appuyer sur E. Voilà, on la rentre. Et on a 4000$. C'est beaucoup 4000$, je me souviens pas que c'était aussi... il donnait assez, autant de... Non. Bon, on peut toujours taper, c'est assez basique, hein, y a pas grand chose à faire. Est-ce qu'il peut... perd du sang? Non, par contre, il donne toujours de l'argent. Jusque là, ça a pas bougé. Et y a... Ah, y a le camion... le camion à glace, ça qui me suit à chaque fois. On va prendre un taxi. On va faire une mission taxi, d'ailleurs, pour voir. Voilà, donc c'est avec R. On va aller prendre une personne, simplement. Bonjour monsieur, allez-y. C'est un truc que j'aimais bien d'ailleurs à l'époque, hein, faire les missions de taxi. Ça rapporte un peu d'argent. Je crois que je l'ai pas envoyé au bon endroit, là. Bah, décidément.
Je me trompe à chaque fois. Alors, je sais pas où il veut que je le mène. Bon, je vais aller là-bas. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Eh ben, on peut pas dire que ce soit une réussite, hein. C'est bon, j'ai réussi. Ah, par contre, 9 secondes pour trouver une course. Allez, monte vite, monte vite, monte vite. 3, 2, 1. Oh la vache. J'étais ultra juste 10 secondes. C'est impossible, monsieur. C'est totalement impossible. Vous avez vu, mon camion est resté par contre. Hein. Non, en vrai, c'est mort là. J'ai perdu trop de temps. C'est pas grave. Donc, je peux recommencer évidemment l'émission de taxi. On a toujours l'émission d'ambulance, enfin, qui était présente à l'époque. Je disais, mon véhicule est resté. Alors, je sais pas si dans celui-là, par exemple, bah, les véhicules vont rester plus longtemps que dans les anciens GTA. Enfin, encore une petite mission. Y a pas grand chose à vous montrer dans cette ville parce que Liberty City, en fait, dans GTA 3, c'est pas une ville, il y a beaucoup de décors différents. Alors, effectivement, on a la grande ville, la ville secondaire, on a un petit peu de décors légèrement différents dans la troisième île, mais ça reste quand même assez basique. C'est un peu comme GTA 4, on n'est pas comme dans un San Andreas où vraiment il y a une différence entre les zones. Non, je vais pas aller à la maison, je vais en profiter pour aller. Voilà, chez Luigi, on va faire une petite dernière mission. Avec la c'est la manana, je crois, la petite voiture pourrie là qu'il y a derrière. peut-être pas avec la batte de baseball. Et on va aller faire la mystérieuse Misty. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Allez, c'est parti. On va prendre... Ouais, on peut regarder derrière nous avec W. Voilà, je vais reprendre mon taxi. Et on va aller chercher Misty à nouveau. Alors on essaiera peut-être prendre le véhicule de pompier après, c'est vrai que j'étais pas forcément obligé de faire ça. H pour klaxonner. C'est marrant, j'aurais mis K moi, mais bon. Il s'agit de la lettre H. En même c'est Horn en anglais, je crois. H-O-R-N. C'est pas étonnant en fait. Donc. Faut aller où là? Ouais, notre personnage ne parle pas, ne parle jamais. Alors l'effet de pluie par contre, je trouve dégueulasse. Je trouve qu'il est pas très réaliste, je sais pas si c'est parce que j'ai mis un mode ou c'est peut-être un peu buggé, c'est possible, hein. Ça peut arriver. Mais je trouve pas ça super... Alors, vous voyez, il fait beau, à la fois il pleut, c'est un peu particulier. Alors, la brume commence à arriver, c'est un petit peu un entre-deux là, on va dire. On va passer par là, je sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs, mais bon. Ah si, ça passe. Alors, de souvenir, ici, on pouvait pas prendre... On pouvait traverser les arbres, mais non. Maintenant, on a vraiment des... Ouais, maintenant c'est vraiment des vrais arbres, donc on peut pas s'amuser à les squeezer. Ah, regardez, les effets d'eau, les effets de pluie aussi, plutôt bien réussi. Donc là, du coup, on va trouver une autre personne. La fameuse scène du garage. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il y ait de l'herbe qui pousse dans un garage fermé, bon. On entend l'eau qui tombe sur le toit, c'est pas mal, c'est un petit détail mais c'est cool. Joey, Luigi said you were reliable, so come back later, there might be some work for you. All right? Donc on va sortir. Ouais, la pluie, c'est léger, bon c'est surtout les gouttes de pluie je trouve moyennement faites. En vrai c'est quand même pas mal hein. Bon certes on est en 2021 mais c'est très joli, j'aime bien. Bah limite on va ressortir. Ouais, je vais vous montrer le truc de pompier. Nous on va faire une petite mission quand même. On va reprendre le dernier repas de Mike Babbins. Je vais passer l'introduction pour aller un peu plus vite. Voilà, donc j'ai 6 minutes, temps limité, donc c'est parti. Normalement je vais chercher une voiture, la piéger et la positionner quelque part. Donc on va passer par là. On va suivre le GPS hein, tout simplement.
Même les effets de projection d'eau derrière, elles sont un petit peu bizarres. Mais la pluie va s'arrêter. Alors la pluie s'est déjà arrêtée. Décidément, il y a un microclimat hein, sur Liberty City. Non, au niveau graphique, je le répète, j'aime beaucoup la pâte artistique. Après, il y en a qui aimeront pas, je peux les comprendre, hein, c'est une pâte assez spécifique, mais... Alors, j'ai 5 minutes pour aller chercher la voiture, voilà. On va en profiter pour passer par là, ici. Hop, on va sortir, et on va la prendre, voilà. On va récupérer sa caisse, je sais pas comment on a eu les clés. Alors, elle a oublié de les fermer. Alors, cette mission, elle est un petit peu embêtante, parce qu'en fait... Il faut évidemment la piéger, mais il faut la rendre intacte aussi. Donc faut quand même faire gaffe quand on va conduire. Radio éteinte, c'est toujours mieux. Radio libre de droit, comme dirait joueur de grenier. Joueur du grenier. Libre de droit. Attention. Hop. On va aller chez 8 Balls. Voilà. Oui, il reste les zones vides qu'il y avait dans la map d'origine, hein. Ils sont pas rajoutés des bâtiments. Bon, R pour activer la bombe. Bon, on a 4 minutes, on a le temps, on va juste faire attention. Je vais pas froisser la bagnole, parce qu'après il faudra l'amener au Pay and Spray, je crois. Donc, pas doucement. Je dis ça, mais voilà, j'ai failli couper la route à tout le monde. Je monte un petit peu la voiture. Bon, les arbres ont été refaits. Les arbres sont quand même beaucoup mieux. Bon, ils sont pas super détaillés, mais ça va. Beaucoup plus qu'en tout cas que la version originale. C'est quand même un peu plus joli. Et bien, au niveau du bâtiment, bon, ils ont fait en fait les ports, les fenêtres. Vous pouvez voir les encarts de fenêtres un petit peu à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal, ce petit effort fait. Allez, on amorce la bombe. On sort, on se casse et on va pouvoir voir ce qui se passe. Clive, évidemment, il va aller chercher sa voiture. Écoutez, ouais, il lisait bien ce qui est marqué. Manger jusqu'à exploser. C'est une petite vanne voilà, du jeu. Et la voiture qui a explosé. Voilà. Bon, elle a pris feu 3 secondes, hein, c'est déjà éteinte. Et j'ai en plus des flics qui viennent me chercher, c'est magnifique. On va vite faire F, voilà, avant qu'ils viennent me chercher. Hop là, on se casse, c'est terminé. Je vais peut-être aller juste chercher le camion de pompier et puis on s'arrêtera là-dessus, on est à 28 minutes. Je pense que j'ai pas tellement grand chose à dire, hein. C'est un remake, c'est pas un remaster. Enfin, je ne sais plus la différence, mais en gros, c'est pas, ils ont pas refait le jeu comme à Final Fantasy VII, quoi. Hein. Ils ont vraiment... ils sont là-bas, le camion. Ils ont juste refait voilà, les graphismes, mais ça reste les mêmes missions. On va entrer dans le camion de pompiers, voilà, et je crois qu'on a une petite touche, voilà, arroser. On pouvait s'amuser, regardez, on peut balancer tout le monde. Tac, 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 je peux diriger le jet, hein, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ça sert à rien, hein, bien sûr, mais c'est plutôt marrant d'y avoir pensé. Tache de sang, non, ici? Quelqu'un qui est mort, je sais pas. Non, je crois qu'il n'y a pas de sang dans cette version. C'est drôle, c'est plutôt drôle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'amener à la casse. Comme ça, voilà, à l'époque on avait ça. Aïe! Petit effet métallique aussi, là. Et là, je vais sortir de la voiture. Alors j'ai une mission de pompier, hein. Je peux par exemple... La grue ne peut pas soulever ce véhicule, bah vous voyez, comme quoi tout était prévu. Bon tant pis, bah, vous aurez pas vu la grue. Non, bah écoutez, de toute façon, je voulais juste montrer un petit peu voilà, ce qu'ils avaient fait... niveau du remake sur ce jeu. Donc c'était GTA 3, le dernier, hein, le dernier dans les 30 ans on va dire. J'espère que ça vous a plu. Bah, ce que je conseille le jeu, je pense attendre un petit peu quand même, sauf si vous voulez vraiment, vous êtes vraiment fan. Mais bon, je pense qu'à 30€ ça serait quand même un prix un peu plus juste. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.